Eh bien, morning good people, c'est Pilo, bienvenue dans le Pino Time. On est sur Summoner's War. Mes chers amis, nous partons en GVG. Ligue GVG actuelle, pizza Pino, exactement. Ma pizza que j'ai commandée, que je suis allé acheter et qu'en fait, elle était pas du tout belle. Pas du tout belle, pas du tout bonne. Donc, au niveau des GVG, nous sommes contre RNG, juste Bandy. Yo Tony, comment ça va? La forme ou quoi? Bienvenue, bienvenue, bienvenue! Bah oui! Ah là 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 là, sur tes équilibrages, mais oui! On va se faire donc un plus 3, un plus 2. J'ai vu qu'il y avait une tentative. Bah tiens, j'avais pas vu celle-là. Où est-ce qu'il a Lydia? Ça pourrait être marrant d'essayer de punir. Ah, ça se louchine pas, mais on peut essayer de punir. Ok, bah écoutez, on va. C'était Artamiel? Attendez. Ah non, Eladriel. Ok, c'est bon. C'est pas si ouf que ça finalement. Bon, là, c'est une def plutôt classique qu'on a l'habitude d'aller faire. Ah, Louise, ouais, vitesse PVPV. Violent, c'est mieux. Violent Nemesis. Violent Will aussi, ça peut être plutôt intéressant. Ça peut être intéressant sur elle, quoi. Écoutez, on va. Oh. Et si on tentait la punition là-dessus? On tente la punition du Lucien, même si à mon avis, voilà, c'est un peu, trop demandé là. À mon avis, je suis un peu gourmand, mais bon, on va essayer quand même. On va essayer quand même quoi. Merci Knight, c'est cool. Ah, Louise Jeanne, c'est cheaté, hein. Ah ouais, franchement, c'est plutôt balèze. C'est plutôt balèze. Alors, on a deux choix. Ici, on a deux choix. Ou on se fait un Molong Harmonia Julian, ou alors peut-être qu'on peut tenter tout simplement un Jeanne Feng Ariel. Je pense pas qu'on se prenne trop de debuffs. On a un strip là. On va essayer. En gros, c'est complètement risqué, mais on tente parce que franchement. On connaît le truc maintenant que plus on monte et moins les gens se disent ouais c'est bon ça va se luchaine ou pas. Donc des fois on monte et puis surprise ça se luchaine. Et puis c'est cool. Hop. Alors est-ce qu'on arrive à luchaine Syrah et Jiana? Je suis pas sûr mais j'y crois quand même. Oh le pauvre. Oh le pauvre, vous avez vu ça? Oh, trop fort. Allez, on continue tout de suite. Il faut reprendre l'avantage tout de suite. Ce truc-là, ça raise. Comme elle, ça raise, bien entendu. Ah oui, vous avez vu aussi, on a une petite baisse hein, sur Jeanne. C'est plutôt déplaisant, j'avoue. C'est plutôt déplaisant, là, pour le coup. Ah non, pourquoi le debuff est passé? Ah non, ah non, 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 là t'as pas compris. Non, 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 mon chou, là t'as pas compris. C'est pas comme ça que ça doit se passer, clairement c'est pas. Mais non, tu peux pas proc, sérieusement. Comment. Break def, pas de break def, donc il va avoir un cleanse qui va tomber quoi. Aïe. Un coup de Lucien et next. Mais oui, t'as vu ça? C'est passé crème. Ok, le break def, on s'en débarrasse. Là on prend les coups, mais je pense qu'on va tanker assez facilement. Lui ne va pas attaquer. Feng, je pense qu'il va plutôt faire tenter son cleanse. Allez, le stun, s'il te plaît, le stun. Ah, oh, dommage. Ok, bon, on va quand même continuer de travailler dessus. Donc, il y a le buff, c'est dommage. C'est dommage que mon Ariel, il a joué avant. Ça aurait été plus cool. Mais bon, c'est pas grave, on va tempo et on va soigner. Voilà. Okay. Ouh, le break def. C'était vraiment tendu là. Vous avez vu ça? Un coup, proc, hop là, et hop, on n'était pas bien quoi. On n'était pas bien, il nous a mis le Feng à l'envers quoi. Je trouvais ça un peu trop puissant à mon goût. Ok, donc là il est taunt, Théo. Est-ce qu'il va proc? Est-ce qu'il va pas proc? Non, c'est bon. C'est bon, si je booste, on reprend le tour d'avance. Oh, le proc du Ariel, magnifique. Allez, stun. Là, c'est maintenant que tu me stun. Oh, dommage. Non. Ouh. Ouch.
Feng. Ça donne l'impression que c'est des HOH qu'on croise des trop, mais grave. C'est vrai qu'on en croise de plus en plus, hein. On en croise de plus en plus quand même. Allez, non, allez, ne proc pas, ne proc pas. C'est loose. c'est loose. Comment je peux faire? Parce que là, même si j'arrive à stun, quoi qu'il arrive, je perds à cause du dégât continu. Et je veux pas perdre la team parce que j'aurais pas beaucoup de solutions, je pense. J'aurais pas beaucoup de solutions, donc je crois que je peux pas. Là, si je tape, je peux pas proc, je suis pas en violent, donc c'est pas grave. Mais là, si je tape, lui va jouer. Il va jouer et il va aller là, quoi. Deux procs de Théo, quoi. Donc j'ai encaissé, mais l'anti-heal m'a mis dedans, quoi. L'anti-heal m'a mis clairement dedans. Je tente le stun, mais bon, je vais live. Non, je crois que c'est... Non, c'est fini. Ah, c'est dommage. Ah, c'est trop dommage. Je pensais tellement avoir le petit avantage, quoi. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Ok, c'est pas grave. Pas... Bah, c'est RNG Jesus en même temps. Hein. C'est RNG Jesus en même temps. Ok, on a un plus 2 ici. C'est pas lui qu'on avait vu. J'avais vu tout à l'heure, c'est peut-être ici. Un plus... Ça, j'arrive pas à counter encore. J'ai un petit peu du mal à le faire. J'avais vu un plus 2 qui était plutôt rigolo. Bon, ça, on peut essayer. Et ça. On est sur une def classique. Hein. Non. Bah, écoutez, je sais plus. Je sais pas où aller, hein. C'était peut-être un plus 1. Ou alors c'était 2 plus 3. Ah non, c'était 2 plus 3 que j'avais checké. J'ai fait... Ok. Salut Pâté, comment ça va mon chou? La farm? Bienvenue, bienvenue. C'est 1 plus 3 en fait. D'accord, en fait je me suis trompé. J'ai pris 2 plus 3. J'ai choisi 2 plus 3. Je pensais que c'était 1 plus 2. Non, c'était 1 plus 3. Ok, on va tenter ça. On va tenter ça. Bah du coup, je pense que j'ai bien fait de garder mon équipe. Parce que mon seul counter de cette équipe, c'est celle-là. Mon seul counter de cette équipe, c'est celle-là. Et ça m'embête un peu, parce qu'en vrai... Mais cette tube bulldo, ce serait plutôt pas mal, hein. Ça pourrait peut-être marcher. On essaye d'immiscer cette tube bulldo. On va essayer d'immiscer cette tube bulldo. On donne le tour à Copper. On vient tuer Jeanne. Salut Toxique, bienvenue mon chou. Ensuite, on patiente le temps qu'il faut pour venir tenter de tuer Harmonia. Qu'on n'arrivera pas à tuer parce que c'est risqué et que mon bulldo n'est pas dinguissime en soi, donc je pense que j'arriverai pas à la tuer. Et puis ensuite, on essaye de terminer Théo Mars. Et est-ce que ça va être un procureur fou ou pas? Voilà, on mise un petit peu quoi. Ouais, on est contre la 2 là, exactement quoi. On est contre la 2. Ah, mais non, mais ici ça peut se. Attendez, on va tenter ça en bas. On va tenter celle-là en bas. En haut, du coup, qu'est-ce qu'on se fait? Ah! Est-ce qu'on se tenterait un nouveau... Si on faisait ça avec... On se fait ça avec, je sais pas... Konamiya. Tower Konamiya. Bon, faut que le break dev passe, quoi. Si le break dev passe, on a un petit avantage, sinon c'est vraiment très 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 risqué. Mais en gros voilà. Mon Gemini il est pas ouf en soi. Il est pas ouf en soi. On a un Despair Broken dessus. Il est en vitesse PV précision. C'est pas des stats dingues. Mais voilà, j'utilise comme ça pour le moment. En tout cas, et ça marche dans les cas où je voulais. Konamiya est un peu lent. Hein, il a récupéré des runes un peu sorties du stockage. Regardez, il a une dégâts crit, il a une attaque pour 100, il a pas de PV. Voilà, bref, vous avez compris, c'est un Konamiya un peu en carton. Et le Tahor qui est là, qui a un petit peu de vitesse. Donc là, le but ce serait de placer au moins un break dev sur là ou là. Et on voit si on arrive à tuer, peut-être. Voilà, c'est le concept. L'équipe, je l'ai déjà sortie contre ça. Je sais que j'ai eu la chance du strip break dev stun. Mais quand même, ça peut, des fois, ça peut, il peut avoir des choses quoi. Mon Vero est runé uniquement pour la TOA.
Donc non, il n'est pas vraiment ruiné quoi. Il a des ruines un petit peu, même pas montées, je crois, pour être honnête. Donc ça va être un peu moyen quoi. Allez. Ok, on a le stun, on a pas mal de trucs. Alors, est-ce qu'on arriverait peut-être à tuer elle? Parce qu'elle, elle est stun, du coup, je me demande. On va essayer de tuer elle. Et ça s'est joué à rien. C'est dommage. Ah, oh, c'est trop bien le violent. C'est trop bien les jeunes en violent. Allez, ne le tue pas, ne le tue pas. Proc pas. Juste proc pas. Très bien. Très très bien. Ah, c'est mort. Hop. On quitte. J'ai pas envie de perdre mon équipe encore une fois. Bah, on quitte, ça sert à rien. C'était un peu trop RNG hein, quand même. C'était un peu trop RNG. Je pense que je me suis un peu. Je me suis un peu gâté dessus. Ok, on va essayer de tuer elle. J'espère qu'elle a pas de def en vrai. Hein. C'est bon. On vient tuer. On va tuer Feng. On va tuer Feng. Et on vient essayer de contrôler le plus possible Garou. Aïe, aïe. Ouf. Il fait mal, petit Garou, hein. Il est rapide et il fait mal. Il va me falloir du stun, hein. Très bien, ça. Très, très bien. Encore, on baisse peut-être la TP. Très bien. Stun? Non. Bon, c'est comme ça qu'il va nous tuer, hein. Ah, peut-être que là, on peut le tuer. Non, pas du tout. Ah si, c'est bon. Le debuff est passé qu'au troisième coup au lieu de passer au premier, donc plutôt bien. Ok, le draw est assuré. Ma bêtise, hein, ma bêtise sur la team 1. C'était trop RNG. Et puis en plus, Taor n'a pas tué. S'il avait tué, peut-être qu'on aurait pu reprendre l'avantage. Mais comme Taor n'a pas tué, ça devenait quand même dur. J'aurais peut-être dû essayer le skill 3 pour tenter le gel. C'était pas sûr du tout, mais si on arrivait à, si j'avais réussi à tenter le gel et que le gel passait, j'avais un tour supplémentaire, vu que j'avais fait déjà un peu de dégâts, j'avais un tour supplémentaire pour essayer de venir tuer les trucs. Mais le break def n'était qu'à d'un tour, donc c'est ça qui m'a mis un petit peu le doute quand même. Ok, on avait un, je crois, dans les plus 1, on a un quelqu'un qui a un light and dark, qui était plutôt intéressant à aller voir. Ah oui, j'avais ça que je voulais faire Ah, la punition du Lucien. J'ai envie de retenter la punition du Lucien ici. Enfin, du Léo. Pardon, là, ce serait la punition du Léo en vrai. Et là, par contre, on a un peu à. Ça va être compliqué. Non, là, ça va être dur. Hein. Bah, comme ça va être dur, limite, j'ai envie d'y aller, quoi. Comme je sais que ça va être dur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait un Light and Dark? Là, on a un Artamiel. Mais on a encore le Buldo, tout ça. Donc, je sais pas si. Non, je pense pas. On va tenter quand même le plus 1. Alors là. Ah, venez, on va essayer là, hein, en fait. Ah, la Syrahn. Oh, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal du tout, hein. Son skill 3 qui devient un passif avec. Ça retire les effets. Un effet néfaste. Enfin, un tour d'un effet néfaste, je crois. Et ça redonne 10% d'HP au monstre qui en a le moins. Je trouve ça bien, ça fait un petit sustain. Si c'est en violent, il y a peut-être moyen de pouvoir s'amuser un petit peu, hein. Et je pense que c'est un monstre qui en vaut la peine, hein. Qui en vaut clairement la peine, qui a sa place maintenant. Et je lui fous les runes de Tianlang et Tetra. D'un côté, ça peut marcher en vrai. On tenterait quoi en haut? On tenterait quoi? Ah, attendez, on va mettre Molong. On va mettre Molong Harmonia Julian. Juste pour vous montrer. Julian, je vous jure, il y a un problème. Je vous jure qu'il y a un problème. Julian, il tape moins fort. Il y a un réel problème dessus, quoi. Un réel problème dessus. Est-ce qu'on a la chance d'être dans les 34% de stun et de strip? Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, mais on tente quand même. Parce qu'il y a un leader skill de raise. On a strip Théo. Bon, fallait pas que je m'attende non plus à faire autre chose, mais on a strip Théo. Ridicule. Oh, c'est pas possible. Oh, il proc en plus. Oh, il proc. Ridicule. Les dégâts de Julien. Je croyais que normalement on devait plus avoir de soucis. De soucis, qu'est-ce que je dis? Qu'on ne devait pas avoir de différence de dégâts à infliger. Je suis un peu déçu là. Clairement, je suis un peu déçu. Oh non! On tente le stun parce que là, il va nous faire mal là. Ah non, il n'y a plus le break def. On s'en fout. On tente le stun ici.
Bah voilà, pas de stun. Tranquille, tranquille, on se calme. On va baisser ici. Voilà. Et l'Adriel il va. Parfait. Ça nous laisse pile. Ah non, mince, il est taunt, j'avais pas vu. Je n'avais pas vu qu'il était taunt. Bah du coup, on va tenter le stun. Trop. C'est vraiment dommage là. Là, c'est vraiment dommage. Ok. Un petit. Dodo, non, pas du tout, pas du tout. Ok, il faut tuer Artamiel. On va faire Proclendur déjà, et on va tuer Artamiel. J'ai pas réussi à lui faire Proclendur. Merci. Oh là là, on se croirait encore dans les Back in the Days de Molong, quoi. Molong a encore sa place finalement. Ce qu'il faisait avant. Oh là 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 là, quoi. Parfait. Non, il me faut un stun là. Voilà, très bien. D'accord. Est-ce qu'il peut strip encore une fois? Est-ce qu'il peut strip? Ah, il a pas strip. Ah, Eladriel, pardon. Si j'ai dit Arthur, Eladriel, pardon, pardon. Ah, le proc. Ah, le proc. Le proc. Allez, tu. Ouais, très bien. Je pense qu'on va quand même perdre Molong. Sauf si le 3 est revenu. Ah, bah, très bien. Bon, c'est bon. C'est bon. Easy. Il n'y a pas de souci là. Enfin, j'espère. Ah non, elle proc. Hein. Ah non, c'est bon, c'était le Revenge. Le Revenge qui est devenu useless hein, enfin, pas useless en soi parce qu'il y a stun. Donc non. J'ai oublié de mettre le Lucian. J'ai oublié de mettre Lucian et Léo et Megan là. Ah, on n'est pas bien là. On n'est pas bien. Bon, est-ce qu'avec cette équipe, on peut gagner? Ah, on peut. Faire un skill 3 sur Copper. Copper qui vient one-shot skill 3 sur... Sur la light? Comment elle s'appelle? Iris? Ça nous fait patienter parce qu'on est en will quoi qu'il arrive. On peut venir faire un skill 3 sur... Rika, je pense. Rika qui peut nous tuer trop rapidement, à mon sens. J'avoue, j'avoue. Ok, allez, on tente. Il faut la tuer. Bon, je pense qu'il n'y a pas de souci. Enfin, j'espère. Ok, c'est bon. Bon. Ok, là, on se fait contrôle. Là, il y a des buffs. Ok, donc là, il faut, elle, l'éliminer. Très bien. Très, très bien. Et là, par contre, bah voilà. Maintenant, ça va être RNG complet. Est-ce qu'on résiste au stun? Est-ce qu'on résiste à des choses? Bon, là, on résiste pas au dodo. On se fait un peu laminer. Merci, ça proc. C'est très très fort. Hein. C'est très très fort, Charlotte. J'aime pas du tout ce monstre. J'aime pas du tout ce monstre. Par contre, je peux jouer? Merci. Tu lui mets un slow? Non. Ok, d'accord. Stun? Full stun? Non, pas de stun. Allez, c'est maintenant, Buldo, que tu me fais ce que j'ai toujours rêvé. Le stun skill 1. Je fais toujours du skill 1. C'est maintenant que tu dois faire ton 1. Vas-y! Nice. Bam. Ok, un petit contrôle. Ah, le contrôle est pas suffisant. C'est dommage. Oh, je pensais avoir récupéré mon skill. Pas du tout. Est-ce qu'on arrive à baisser un peu la TP? Très bien. Allez, Buldo, tu me refais un stun. C'est ce qui va nous faire nous mettre en avant sur ce combat. Oh, magnifique. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus combien il était. Il était à 2 tours, je crois. Donc on n'a pas le truc. Bon, ok. Normalement, skill 1, Buldo devrait le tuer. Le skill 2 de Buldo est un peu useless. Mais son 1 est quand même un contrôle plus intéressant, quoi. Donc c'est vrai que ça vaut quand même un peu plus le coup. Voilà. Eh bien écoutez, mes petites GVG se sont plutôt bien passées. Même si j'ai fait une petite erreur. Bon, là, j'ai pas voulu perdre la team, donc. Parce que je me suis dit que ça allait peut-être être utile derrière. Donc ok. Ici, la première. C'est quelle team qu'on a perdu? Non, la deuxième, on a gagné. La première, je crois que ça s'est pas très bien passé. C'est pas ça? Ouais, c'est la première, je crois que ça s'est pas très bien passé. Ah oui, bah oui, j'avais tenté de sortir ma nouvelle équipe qui fonctionne, mais pas contre ça, du coup. Ça a marché une fois, je pense que j'ai eu vraiment beaucoup de chance, quoi. Les encouragements pour son 1, bah oui, trop important. Et ici, ça s'est bien passé. On a réussi à... Molong. Molong est encore dans la place, les amis. Molong est encore dans la place. Et à droite, je pensais vraiment Lucian. Je me suis complètement trompé. Je me suis dit, ça va être une punition. On va Lucian, pas du tout. On a Buldo Copper et en fait, ça marche. Donc, je crois que je vais arrêter trop me prendre la tête sur les teams où j'ai un doute. Je sors Buldo Copper.
Immensity Bulldog Hopper, on n'en parle plus. Il va falloir juste accélérer Immensity pour être sûr de passer devant les Iris et choses comme ça. Mais voilà, je pense que ça va le faire. Mais écoutez, je m'arrête là-dessus pour cette petite vidéo. Semaine en soir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Semaine en soir. Faites-vous plaisir sur le jeu. Vous savez très bien, c'est le principal. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ça, je l'ai déjà dit. Mais c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Voilà, allez, ciao.